Premier quartier qui sera rénové sera celui des Pyramides. L'immeuble de la Caravelle devrait être détruit d'ici la fin de l'année. En tout, ce sont une centaine de logements qui seront démolis avant d'être reconstruits. Viendra ensuite le tour de la résidence Camille Guérin, Bois Sauvage. Là aussi, une centaine de foyers sont concernés. Les habitants sont mitigés. Ça fait déjà 20 ans que j'habite ici, alors on attendait ça avec impatience. Rénover, c'est sympa, mais pour les gens qui habitent là depuis maintenant 20, 22, 23 ans, détruire un quartier qui n'est pas si vieux que ça, je trouve pas ça très très cool pour les anciens habitants. Les bars et les tours démolis seront remplacés par des immeubles plus petits de 4 étages maximum. Les bailleurs et les pouvoirs publics se sont engagés à reloger tout le monde. On va retrouver un logement pour ses habitants et on va apporter un soin particulier au relogement des habitants, si ce n'est dans le quartier, du moins dans l'agglomération d'Evry. On ne peut pas garantir que tout le monde sera relogé dans le quartier parce que, encore une fois, l'objectif est aussi de mixer les populations, de diversifier l'habitat, mais aussi les populations. Sur le plan opérationnel, si vous voulez, la démolition se fera dans le courant, disons, fin 2011. Et puis les reconstructions dans la foulée. L'Agence pour la rénovation urbaine espère terminer l'ensemble des chantiers d'Evry-Courcouronnes d'ici 2012, voire 2013 au plus tard, des délais qui paraissent très courts. Coût total de ces rénovations qui devraient restructurer l'agglomération, près de 200 millions d'euros.